Je maintiendrai. Telle est la noble et fière devise de la Hollande, dont on comprend toute l'admirable signification, quand on pense à la double lutte qu'elle dut soutenir contre les hommes d'abord pour conserver son indépendance politique, et les flots ensuite pour défendre son territoire contre les attaques de la mer. Cette lutte gigantesque du génie humain contre un de ses plus redoutables adversaires témoigne à la fois, selon la juste expression de Pascal, de la grandeur et de la petitesse de l'homme. Ce travail titanesque de la construction de la digue et de l'assèchement du Zuiderzee se résume en peu de mots. Une mer qui disparaît, un barrage de pierre et de ciment de 30 km au milieu des flots, une augmentation d'un dixième de la surface territoriale. Si Nederland signifie pays creux, Amsterdam est formé par les deux mots Amster, nom du cours d'eau qui la baigne, et Dam qui signifie digue, ce qui résume en tout point cette lutte constante de l'homme contre l'élément qu'il menace sans cesse et justifie le mot fameux « Dieu créa le ciel et la terre, à l'exception de la Hollande qui a été créée par les Hollandais ». Les canaux qui s'étendent sur la ville comme un éventail, la sillonnent en tous sens et la partagent en 90 îlots, lui ont mérité le nom de Venise du Nord. Bordée de maisons caractéristiques, coupée par 315 ponts de toute forme et de toute grandeur, ils permettent de visiter la ville, dont la fondation remonte au XIIIe siècle, et qui, si elle n'a pas l'opulente et fastueuse beauté de la Sérénissime, possède un charme incomparable, auquel le ciel nordique ajoute sa lumineuse douceur et sa nostalgique poésie. En glissant silencieusement, au gré et à la fantaisie de ses multiples canaux, Amsterdam, avec ses demeures anciennes dont le sommet s'empanache de pierre et de plomb ajouré, ses maisons en briques rouges et noires, ses églises, comme celle de Saint-Nicolas, forment un curieux mélange d'architectures d'époques diverses dont l'œil ne se fatigue jamais. Côté de ce berceau du passé que le Hollandais conserve jalousement, son modernisme se donne libre cours dans ses nouveaux quartiers populaires, que l'on rencontre sur de nombreux points du territoire, pour satisfaire à cette impérieuse nécessité d'abriter une population qui a doublé en 50 ans, pour atteindre le chiffre de 8 millions d'habitants dans l'ensemble du royaume. Ces maisons ouvrières, claires et élégantes, présentent ceci de particulier, qu'elles n'ont pas de concierge, chaque locataire possédant son entrée personnelle. Comme ici, dans une telle ville, le sport nautique est à l'honneur, et chacun s'entraîne pour faire triompher les couleurs de son club.
sur l'Amstel qui traverse et baigne Amsterdam. La gracieuse équipe féminine d'A8 parfait sa forme. Voici le pont le plus récent et le plus moderne. Le pilier central supporte une tour vigie ornée d'une statue monumentale en céramique représentant la ville d'Amsterdam. Sur l'Amstel où nous voguons maintenant, un club nautique dresse son élégante architecture de bois. Passant et repassant sous des ponts nombreux et variés, revenons vers le cœur de la ville, dont voici la gare centrale édifiée sur un îlot artificiel, et faisons à pied une petite promenade, nous passerons devant l'hôtel des postes, le palais royal et atteindront la Rembrandtplein au centre de laquelle, parmi les fleurs, s'élève la statue de Rembrandt dont le Rijksmuseum aux élégantes grilles de fer forgé, aux imposantes verrières rappelant les glorieux héros du passé, abrite dans ses nombreuses salles quelques-unes des célèbres toiles du génial hollandais, comme la ronde de nuit qu'il peignit en 1642, dont les puissantes clartés d'or et les irréelles phosphorescences sont d'une inoubliable beauté. Le port et les docks sont à l'échelle de la cité, véritable capitale commerciale de la Hollande qui compte aujourd'hui près de 800 000 habitants. Amsterdam, situé à vol d'oiseau à 30 km de la mer du Nord, est relié à celle-ci par le Noordzee Canal qui aboutit à Emden, où se trouvent les plus grandes écluses du monde et importantes têtes de ligne maritime pour l'Europe, l'Amérique du Sud et les Indes néerlandaises. Les écluses d'Emden ont 400 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur. La hauteur d'eau est de 15 mètres. Chacune des portes, haute de 23 mètres, épaisse de 8 mètres et pesant 1 184 000 kg, s'ouvre en 2 minutes 30 secondes. On pourrait écluser le Normandie et lui faire franchir les 2,60 mètres de différence de niveau en 16 minutes. Le fond de l'écluse repose sur des pylônes de béton de 30 mètres. Cette année furent nécessaires à cette construction qui coûta 1 milliard de francs. Revenons vers le port d'Amsterdam, dont voici la station météorologique et l'un des nombreux bacs reliant les rives entre elles. Les docks avec leurs nombreuses cales. Pour nous rappeler que nous sommes en Hollande, un vieux moulin se profile sur le ciel. Tel est le port d'Amsterdam, dont les écluses géantes d'Emden sont les clés.
Il faut à Amsterdam visiter une taillerie de diamants. C'est Louis de Berkem de Bruges qui, en 1476, remarquant que deux diamants frottés l'un contre l'autre s'usaient mutuellement, appliqua ce principe à la taille du diamant, dont le premier ainsi traité fut porté par Charles le Téméraire. Le diamant brut est clivé, c'est-à-dire débité en plan parallèle à sa surface, ou scié à l'aide d'un disque en bronze phosphoré, portant un mélange d'huile et de poudre de diamant. La pierre passe ensuite au débrutage. C'est là qu'on lui donne l'ébauche de sa forme, ronde, ovale ou carrée. C'est à l'aide d'un diamant jouant le rôle de burin que s'effectue ce travail, pendant lequel la pierre est débarrassée de ses tares et façonnée au mieux de son rendement en poids et en lumière. Le diamant à polir est serti dans une cupule de plomb chauffée, appelée dop, dont un ouvrier affine la pointe avec ses doigts sans ressentir la moindre brûlure. Le polissage s'effectue à l'aide d'un mélange de poudre de diamant et d'huile étalée sur un disque de fonte horizontal tournant à 2200 tours minute. Le polisseur surveille attentivement le travail, relève le dop de temps à autre, examine à la loupe la facette que le polissage a planie. Lorsque celle-ci a la dimension voulue, la pierre est resserrée dans le dop de façon qu'elle présente une autre partie à la meule jusqu'au polissage complet. Cela exige de nombreuses manipulations si l'on songe que certaines pierres ont 58 facettes, de petits diamants 18 ou 34, et que les roses pesant un cinquième de milligramme ont encore 3 facettes. Voici le diamant taillé. Il se compose d'une partie supérieure appelée table, entourée de facettes triangulaires nommées dentelles. La base est pyramidale et se termine par une petite table appelée culasse. Voici quelques diamants bruts et taillés, valant 80 000, 350 000, 500 000 et 600 000 francs. Voici le Cullinan, le plus gros diamant du monde, du poids brut de 3024 carats 3 quarts, taillé par les frères Asher et appartenant à la couronne britannique. Le Cullinan 1 en forme de poire pèse 516 carats et demi. Le Cullinan 2 carré, 309 carats 3 16e. 103 autres brillants, pesant entre 9 et 92 carats, furent tirés de cette montagne de lumière taillée à Amsterdam. Aux portes d'Amsterdam se trouve l'aéroport de Schiphol, d'où partent et atterrissent les avions des grandes lignes aériennes internationales. C'est de là que s'envolent deux fois par semaine les avions reliant Amsterdam à Batavia, 14 500 km en 5 jours et demi. C'est la route aérienne des Indes néerlandaises, complétant les grandes lignes maritimes partant d'Amsterdam et de Rotterdam, dont les navires portent toujours dans leur pavillon l'âme ardente et chevaleresque des grands capitaines hollandais. Ciel ou mer, deux routes merveilleuses vers les horizons nouveaux des îles de la Sonde, au cœur de l'océan Indien, près du rêve, de l'idéal et de l'oubli. De larges promenades, aux allées ombragées, longent d'agréables canaux. Les eaux reflètent l'opulente et verte parure des ormes qui les bordent. Continuons notre marche. Nous apercevons inscrit dans l'arc élégant d'une porte monumentale le musée des colonies. Maison particulière, élégante villa,
s'abrite sous les grands arbres près des marronniers en fleurs. Ce cadre agréable est très fréquenté par une élégante société. Le crépuscule est proche. Le fleuve va s'envelopper d'ombre. Les derniers rayons du soleil miroitent doucement sur les eaux du canal. Des mouettes au vol gracieux cherchent le repas du soir. Les tours ne sont plus que des silhouettes dont le jour finissant embrume déjà la nuit. Après avoir quitté la Venise du Nord, nous arrivons à Harlem qui en est l'admirable jardin. Cette porte franchie, la féerie des Champs-Tulipes offre un spectacle qu'on ne se lasse pas d'admirer. La tulipe du mot turc tulban, qui veut dire à la fois tulipe et turban, à cause d'une certaine ressemblance de la fleur avec un turban, est originaire de Turquie. Gessner, le célèbre naturaliste surnommé le Pline allemand, la vit pour la première fois à Augsbourg en Bavière en 1599, dans le jardin d'un amateur qui l'avait reçu de Constantinople. La tulipe fit son apparition en Hollande au XVIe siècle, mais c'est au XVIIe siècle que sévit la fameuse passion de la tulipomanie. On payait alors des bulbes jusqu'à 3000 florins, ou bien on les échangeait contre des chevaux ou des hectares de terrain. La spéculation devint tellement insensée qu'en 1637, les États de Hollande durent intervenir. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, et la culture de la tulipe, dont on compte plus de 2000 variétés, a pris une telle extension qu'elle occupe plus de 8000 hectares. L'exportation atteint 40 millions de bulbes, représentant une valeur de 400 millions de francs. Une ceinture de verdure réunit les villages d'Hempstead, d'Illegum et de Lycée. Les bois sont parés d'une grâce rustique qui rivalise de beauté avec les champs fleuris qui les entourent. Tulipes de toutes formes et de toutes couleurs, aux corolles ouvertes comme des calices, ou tourmentées comme celles de la tulipe perroquet que la rosée du matin vient franger de perles étincelantes, vous serez toujours une joie pour nos yeux. Ce jardin tranquille, dont l'air est saturé du parfum des narcisses, des lys et des roses, sous ce ciel propice à la rêverie, l'imagination ne peut se défendre d'évoquer ces vieux moulins de Hollande, dont les ailes vont s'immobiliser dans la grande paix nocturne pour ne pas troubler les fées et les génies des légendes qui descendent sur la terre hollandaise avec les derniers rayons du couchant.